C'est très stressant, c'est ce qui m'est arrivé surtout à Cannes lors de la projection. Vous voyez que j'ai pleuré comme un bébé, c'était pour ça. Vu le public, vu comment les gens ont aimé le film, moi ça m'a beaucoup ému. Dans la vie, du moment où une personne vous fait confiance, la meilleure des choses, c'est d'accomplir cette confiance. Moi, ils m'ont fait confiance, ils m'ont confié ce rôle. Et moi, ce que je cherchais là-dedans, c'était ces résultats-là, comme les deux prix qu'on a eu à Cannes. Moi, c'était ça mon but. Et Dieu merci, on a réussi à obtenir ces résultats. Ce film aussi a permis aussi à faire une lumière vraiment générale sur toutes les étrangers qui viennent en France ou voire dans le monde en situation irrégulière. Ces films ont quand même, vous dites juste, voilà quoi, à quoi ressemble la vie de ces gens-là. À ce qui concerne d'autres projets, oui, j'ai passé des castings, mais pour le moment, en fait, je ne peux rien envisager tant que j'ai pas ma situation. Tant que ma situation n'est pas réglée. Enfin, je ne peux pas dire que je vais continuer dans le cinéma, mais si l'occasion se présente, oui, je le ferai sans problème.